Et hop. On est reparti sur la campagne avec la bataille. L'idée c'est de se venger, de faire mal, de prendre une armée de plus. Alors. L'idée, ça va être aussi de prendre la montagne là après, ou alors de jouer en plaine l'un ou l'autre, mais certainement pas de rester. Voilà, on va jouer en plaine entre les deux montagnes, on va être bien, je pense. Ok. Quick, il va défoncer les rangs, je pense. Je pense qu'il a s'entraîné pour pouvoir faire très très mal. Ok. Eux, ils vont focus les hélicos direct. Ok, comme ça. Ça va pas. Ça va pas, c'est ces deux-là qu'on va mettre côte à côte. Et ces deux-là qu'on va mettre là, ils vont intercepter. Eux, c'est un peu des suicidaires. Ils vont venir intercepter les armées et ça va cramer après avec les lance-flammes. Ok, je pense qu'on est bien là. Allez, go. Qu'est-ce qui... Ah ! Putain, canon à la con. Ok, attaquer plutôt ici. Les marteliers, les marteliers. Il a pas la vue pour tirer. Ah, je vais perdre un canon qui est trop important. Reviens vite, reviens, reste pas là. Reviens vite, reviens vite, reviens vite, reviens vite, reviens vite, reviens vite. On va essayer de bloquer, le ralentir un petit peu. Allez, de la précision un peu là quand même. Vous mettez tout à côté, sérieusement. Allez, faut que ça blobe autour là. Allez, dépêche-toi mon canon. Toi, faut que tu recules maintenant. Ok, Quick, c'est à toi. Ça a pas tenu. Ça ici, les lance-flammes, faut que tu recules toi aussi. Ready, ready. Yes, yes.
Allez, les canons qui vont attaquer ici, il fait chier. Bah ouais, forcément. Bon, ce flanc-là, il se fait défoncer. Allez, faut aller défendre Quick là. Ok, faut tirer dans ça là maintenant. Putain, réserve de magie des vents de merde. Ok, ça va craquer. On va voir quelles unités vont tenir encore. Ok, c'est bon, ça l'a fait. Bon, j'ai perdu mes deux foros à Malpierre. Mal géré, mais bon. Ah, peut-être pas celle-ci, mais celle-ci est morte, ça c'est sûr. On a pu se venger quand même, on a niqué sa plus grosse armée. Une catapulte qui était mal placée, ça serait pas top placé comme ça si je l'avais bien placé dès le début. Ouais, ah putain, on perd des troupes assez fortes quand même. Voilà, c'est comme ça qu'on nettoie des armées. Vengeance. Bon, ici on pourra de toute façon au prochain tour recruter à nouveau des guerriers des clans, donc c'est une bonne nouvelle. On va quand même des Raog, je sais pas si c'est une bonne idée. Ici on est en positif, on a les murs qui se développent. Ok, on a battu ses plus grosses armées. On va essayer de bloquer l'armée pour essayer de faire en sorte qu'elle n'attaque pas tout de suite. Échec, putain, vraiment inutile. Hein. Bon, c'est pas grave. Cette armée-là est en chemin. Faut que ça tienne 5 tours comme ça. Ok. Ah, et lui là. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Bon, c'est pas grave. Ici ça sert à rien d'améliorer. L'idée serait même de casser pour se rembourser un maximum de choses. Alors à moins que ça je veux mettre des murs dessus, mais j'y crois pas trop. Ah, il est enfin niveau 40 lui, il va arrêter de me saouler avec ses trucs. Résistance aux projectiles, ouais c'est bien, allez. Bâtiment endommagé. Mais on va quand même le réparer. Non, la fosse au Raog, on va pas le faire. Ça, il me faut des golds davantage. Les unités de tir sont tellement puissantes, ouais, je te confirme. Ouais. On a les renforts héros qui arrivent aussi. Le problème c'est que quand j'ai attaqué, j'avais que 3 armées. Et contre 8 des siennes, donc bon. J'en ai quand même emporté pas mal dans la tombe, mais j'ai perdu 2 de mes grosses armées. Ah, oh, ça c'est attaqué ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore une armée naine qui est dessus. On va pouvoir le scouter au prochain tour, mais il y a une armée naine qui est là-dessus, c'est sûr.
fog of pestilence. On l'a mis mal, mais on s'est mis mal aussi d'ailleurs par la même occasion. Ah, le clan Skyr qui s'en sort visiblement. Le clan Eshin aussi. Ouh la vache, ah, il savait qu'il était là sans même le voir quoi. Ça c'est vraiment cheaté de la part de l'IA, c'est qu'elle sait directement où se trouve chaque unité. Oh la vache, putain. Il fait tellement un taf monstrueux, j'ai bien fait de pas le confédérer. Peut-être que je galère plus au niveau de mes propres armées, mais bon, là, il fait un taf juste monstrueux ici. Il attaque toute l'Empire, il va réussir à tout coloniser. Ça va être le Renforce 1, là, tel qu'il est parti. Et il nous donne aussi la vision sur le fait que le nain ne recrute pas ici, donc ça, c'est très bien. Ça se détériore énormément, il va lui déclarer la guerre d'une seconde à l'autre. Pas facile cette campagne, hein. Dès qu'on joue les forces du mal et qu'il y a les nains, enfin si les nains on les tue pas rapidement, c'est vite compliqué. Quand j'avais joué les vampires, c'était Couronne mon plus gros agresseur parce que les nains avaient été, je les avais gérés dès le début. Enfin au milieu de la partie quoi. Là ça me donne la vision par ici, je sais qu'il n'y a pas de troupes qui risqueraient de me poser problème. Pour l'instant, ça se gagne bien. Ah, ça l'empêche pas d'avancer. Il va attaquer tout ça. Ah non! Il m'emmerde. Donc on n'aura pas de ligne de défense sur le côté gauche, là. Il va falloir laisser un espion pour savoir par où il va. Ok, alors tu m'expliques comment il a pu recruter alors qu'il recrutait pas au tour précédent? C'est vraiment cheaté, l'IA. Ok, il renvoie ses armées vers le nord. Ok, bon délire. Il faut continuer de le scouter, de rester collé à lui pour savoir qu'est-ce qu'il fait réellement. Faction détruite. Oh là là, il va me déclarer la guerre. À moi ou au clan Eshin. Ça va se compliquer pour un de nous deux. Oh, le Skaven s'est bien étendu, hein, la vache. Ah, il a perdu. Ah oui, il avait perdu cette bataille là. C'est pas grave, il tiendra pas éternellement contre le Skaven. Pour l'instant, tant que la Bretonie n'attaque pas, c'est bon. Bon. Crise de loyauté évitée. Ok, cool. Des gold, hein. Là, il faut vraiment un revenu en gold qui est assez important. On va mettre ça.
Et on va mettre de la bouffe. Même si j'en ai pas besoin, mais pour l'instant ça va être suffisant. Mais cité souterraine m'apporte beaucoup mine de rien. Non, n'attaque pas. Fais pas le con. Mets-toi là-dedans. Recrute tes troupes, reforme ton armée. Elle va vite se reformer, c'est l'avantage. Alors on peut recruter des choses sympas. Ah la vache, ça met des tours à se remettre ça. Je pensais que ça allait être plus rapide que ça. On peut avoir des unités d'élite là comme ça, on va en mettre. On va remettre une foreuse à Malpierre. Et deux unités d'élite comme ça. Ok, c'est bon. Pour l'instant, la garnison est plutôt bien. Garnison solide. Avant qu'il arrive à tomber ça, plus une armée, il va falloir le faire. Alors lui, il doit scouter par où le nain est parti. L'autre, il est parti régène, il est là. On va essayer de bloquer la mobilité. Tant qu'on peut le faire, on va le faire. Échec. Putain, mais t'es vraiment un loser, mec. Hein. T'es vraiment un loser, hein. Sérieusement. T'arrives à rien. Lui, il avance. Lui, il avance. Lui, c'est bon, il recrute. Bon, crise de loyauté évitée, mais ça n'a pas remonté beaucoup non plus. Hein. Pour l'instant, bon, on a deux armées qui recrutent, c'est le principal. Faisons le tour un peu de ce qui peut me rapporter des golds. Ce qui peut me rapporter les golds, c'est ça là. Toutes ces mines là. On va mettre ça et on va perdre la visibilité dessus, mais c'est pas grave. Mais il faut que je puisse avoir plus de gold. Voilà, ça va être bon pour l'instant. Ah, j'ai failli oublier de déplacer lui. Ok, lui dans à peu près à vue de 4-5 tours, il est arrivé à destination. Et on aura donc une deuxième armée pour se battre. Et une armée plutôt correcte. Hein. Une armée plutôt correcte. Assez équilibrée, assez forte. Pourquoi j'ai mis des vermines de choc à la barre dedans? Alors qu'il n'y a pas d'utilité large sur... Enfin, c'est pas grave. Oh, je vois que vous êtes nombreux sur le live. Bienvenue à vous tous. On est en train de voir un rat qui se fait botter le cul par un nain. Ou inversement, un nain qui botte le cul. Enfin, un rat qui botte le cul au nain. Il m'en sort bien, hein. Il lui reste que 4 armées actives. Réellement. On sait qu'il y en a probablement une là. D'ailleurs, on va les scouter maintenant. Je veux voir ce que ça donne ici. Lui va pouvoir faire un séisme. Donc le séisme va pouvoir m'aider. Non, il n'est pas attaqué. Ah, il est attaqué par Sartosa. Ok. J'aurais jamais pensé. Je pensais que c'était le nain, mais non, le nain a ramené toutes ses forces. Du coup, le rang de force du nain a dû diminuer. Hein. Bon, le mien aussi, forcément, par la même occasion. Mais le rang de force du nain a dû prendre une sacrée claque. Ah, rang de force 5, pas tant que ça. Où est mon héros scout, là, pour scouter ce côté-là, là, au cas où il arrive de par ici? Bon, je sais qu'il arrive pas parce qu'il y a un héros nain, mais... Un héros... Skaven. Là, il est en train de recruter à nouveau. Bon, les deux armées, dans combien de tours elles sont prêtes? Elles sont prêtes dans 6 tours chacune. 6 tours chacune, il va leur falloir 4 tours. En gros, j'ai 10 tours à tenir avec... J'ai 5 tours à tenir avec une seule armée. Et 10 tours à tenir avec deux armées, en gros. Après. Ça va le faire. Les murs sont solides. Les murs sont solides aussi, ici. On va le passer au niveau 5, ça, dès qu'on peut. Lui, il est presque immortel.
vas-y, ce que tu veux, allez ça. Et lui, il va revenir aussi à toute vitesse ici. Ok, on est bon. Lui, surveiller cette armée-là. On sait qu'on a une armée ici qui va attaquer ça. Ça, de toute façon, je vais le perdre. 76, 27, 300. Il y aura des rébellions. Donc, dans tous les cas, je vais le perdre, mais... Ah, faudrait pas que ça ramène un ennemi. Ouais, enfin bon. Au pire des cas, si ça ramène quelque chose. Réellement, ça va pas me faire mal. J'avais un héros. Ah, il est là. Il est où, le héros? Oh, il l'a tué! Oh non! Oh, le fils de troll. Il a tué mon scout, celui qui permettait d'avoir de la vision. Y'a pas moyen d'en recruter un ici? Putain, il me saoule. Ah! Ah! Bon, bah, au prochain tour. Mais il faut des scouts, il faut que je puisse voir où sont mes ennemis. Il faut que j'arrive, il faut que j'aie de la vision en fait, tout simplement. Il y en a un qui arrive là, il y en a un qui est en chemin. Je suis là. Hey. On va réussir à avoir de la vision. Scaron qui s'en sort visiblement, qui ne perd pas. Il commence à même reprendre du poil de la bête. Donc ça, c'est plutôt cool. Le clan Eshin qui est très copain avec moi. 275, donc ouais, ça monte. Ouais, il va attaquer avec toutes ses armées. Il va terminer les nains très rapidement, je pense. Il attaque avec deux armées seulement ? Ouais, ça suffit. Hop là, il n'y a plus de nains. Bon, il a quand même beaucoup d'armées. Hein. D'ici à ce qu'il tombe, il va se passer des choses. Lui, mais il m'apporte un taf exceptionnel en fait. J'ai bien fait de pas le confédérer. Mine de rien, il m'apporte de la vision. Je sais où sont les nains. C'est pour ça que je regarde, que je prends le temps de regarder les vidéos. On va peut-être le mettre par contre en rapide. Parce que maintenant, il commence à y avoir pas mal d'unités. Donc on va mettre, pas le plus rapide, mais rapide. Ça me permettra de voir, voilà, suffisamment, on voit suffisamment ce qui se passe. L'Empire commence à se reformer visiblement. Ok, lui il rentre à la maison. Non, il me dévalise, on va essayer de bloquer son armée. Alliance militaire. Je sais pas trop. J'aurais préféré Camry, mais... Un allié de plus, ça se refuse pas, après tout. On a une alliance défensive. Ouais, non, il viendra jamais m'attaquer. Il traversera jamais la carte pour attaquer, non. Bah, c'est une alliance défensive. Ah, le Styrland est pas si mal que ça en rang de force. Hein. Bon, c'est tout simplement qu'il commence à y avoir de moins en moins de factions et donc du coup les armées se font plus rares. Ah non, mais il avait pas repoussé le nain. Bah attends, je comprends pas, d'ailleurs je croyais avoir vu tuer le nain. C'est moi qui rêvais? Il est en train de se faire battre par un nain?
Un nain avec deux unités dans son armée? Sérieusement là? C'est possible ça? Ouais, il est en train de perdre. Il a perdu ses grosses armées. Donc il va se faire repousser certainement par l'Empire juste après. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Lui, on va y bloquer l'armée. Technologie. Ah, ça aurait été bien d'y arriver ça, mais j'ai plus de héros. Bon, il y aura une armée qui... De toute façon, ça, tout ça, je vais le perdre. Ça, c'est garanti, je le perds tout ça. Ça, c'est pareil, on va le rembourser maintenant. On va laisser les murs pour ce tour-là, on va voir après. J'ai plus de héros. Lui ça remonte aussi tranquillement. Lui ça remonte. On va avoir les armées qui vont être disponibles rapidement. J'ai pas de vision sur putain, il a tué tous mes héros. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Reviens dans deux tours, reviens dans deux tours, reviens dans un tour. Ça, c'est cool. Donc oui, merci à Pospeco pour le follow. Merci à Oniresaza pour le follow. Et merci au Schtroumpf aussi pour tout à l'heure le follow. Merci à vous. À faire. Ça va se réparer tout seul. Comme j'ai dit, ça se répare tout seul avec le temps, ça sert à rien de s'investir des golds. Ah, les murs sont toujours pas réparés depuis le temps là. 96, ouais, ça va, c'est presque bon. On aura aussi la forteresse bien améliorée. On va voir ce qu'il faut pour repousser n'importe quelle attaque après. On peut pas trop avancer tant qu'on n'a pas de vision en fait, tant qu'on sait pas où sont ces armées. Il faut vraiment beaucoup plus de vision là, plus de... Ah, j'ai oublié de recruter un sorcier pour l'envoyer scouter, voir où sont les ennemis. Bon, lui il arrive pour donner de la vision, donc ça va plutôt être cool. On va voir s'il y a des nains qui vont passer par l'eau. Lui aussi il arrive. Là ça nous permet de voir un petit peu où ils sont tous. Ok, cool. Bon, c'est pas plus mal, on voit où exactement où se déplacent les armées, on couvre nos flancs gauche.
L'Empire qui se remet du poil à la bête aussi. Hein. On voit sa jauge de rang de force qui augmente continuellement. Donc on, voilà, on voit une armée qui est full ici. Le Skaven va commencer à avoir des problèmes, je pense. Alors, non, on me le tue pas, hein. Ah, l'enculé. Ah, l'enculé, il a tué mon prophète du rituel. Celui qui devait s'occuper de... Oh. Oh, il m'énerve. Oh, comment il m'énerve. Oh, comment il m'a saoulé. Oh, comment il m'a saoulé, c'est vénère. Pacte de non-agression. Il est où lui? Ah, il est en guerre contre... Ouais, non, je m'en fous. Ah, il m'a tué mon héros. Putain, mais sérieux, il a traversé toute la map pour se faire tuer, quoi. Ah, l'assassin est fin prêt. On peut pas gérer la rébellion. Bon, lui il est bientôt là, dans deux tours il est là, la rébellion normalement elle est là si je dis pas de bêtises. Voilà, elle est ici. Ok, il y a pas d'armée ici. Ok, ça recrute à balle là. Il a tous les points en blessé, faudra le mettre. Il n'y a pas moyen de savoir ce qu'il y a ici, donc c'est ça le problème. Ah, c'est risqué d'aller attaquer alors qu'on sait même pas ce qu'il y a là. J'ai rien pour scouter et j'attaque. C'est complètement stupide. On sait même pas ce qu'il y a et je vais attaquer par ici. Déjà, on va recruter des héros de plus là. On va recruter deux maintenant. Attaquer, c'est compliqué là. Hein. Je vais le regretter, je vais le regretter, je vais le regretter, je vais le regretter. Toi, t'étais en train de recruter déjà, toi. T'es mort. On est en train de se faire des golds sur lui. Lui, je suis en train de le farmer, mais vénère. Oh, ça coûte trop cher, ça. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui serait utile ici? Ouais, tous. Il n'y a pas d'autre réponse. Ouais, tous, ils sont tous utiles. Allez, on va mettre lui. Et les murs sur le Karakovy Peak. Ça me remplacerait quoi? Ça m'apporte quoi de faire ça? Ça change pas grand chose. On a des Raogs à la place des coureurs d'égout. Bon, on verra bien.
sizzle scorch. Ok, pour l'instant ça le fait. Bon, ça, ces bâtiments là en vrai, j'ai envie de le mettre ici hein, pour avoir un mur dessus, j'ai envie hein. Mais je sais que ça tiendra jamais contre des nains. On le mettra à partir du moment où la rébellion va arriver, va me défoncer ça. À moins de descendre avec lui. Il me faudra 3 tours pour descendre. Si je me fais pas intercepter par une autre armée. On peut essayer de défendre. Hein. On va pouvoir essayer de défendre avec lui. Traverser, passer par là. Ici on a... trouvé le point. Ici on a la reconstitution, juste là. Juste là on a la reconstitution si on se met là. Et après on trace. On verra. Ok, c'est bon, pour l'instant ça défend. Vous êtes bien silencieux, le chat. Vous dormez ? Vous êtes fatigué. Ok, là, il recrute pas de nains non plus. Ok, lui, il arrive ici pour scouter de l'autre côté. Parfait. On va arriver à avoir la vision. Je perds contre Lauterne. Ah ouais, mais c'est chaud, hein. Lauterne, c'est un gros adversaire. Hein. Pour moi, le plus inquiétant, ça reste quand même le nain. Hein. Le nain, c'est une machine de guerre, hein, le nain. Oui. Ok. Du coup, c'est lui qui m'apporte de la visibilité. Putain, il est... L'autre, il a toujours pas déclaré la guerre. L'Empire est en train de se faire botter le cul, ça c'est plutôt cool. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette armée? Elle va rentrer se défendre. Ok, là donc là il renvoie toutes ses armées en défense. Ok, lui il l'envoie par là. Ah lui il me saoule lui, mais dès que je peux j'assassine ce héros de merde là. Bon, le Skaven, faut qu'il se reforme vite des troupes parce qu'il va avoir du mal là si ça continue. En tout cas, il fait un taf énorme. J'ai bien fait de m'allier militairement avec lui. Bon, la deuxième armée là, dans deux tours. Dans deux tours, on a deux armées. Alors. Parfait. Ah, grenade frappe près, ça c'est cool ça. Pareil, on va faire des gold. Hein. Gold et bouffe. Après, j'ai vu qu'il y avait un talent.
Ah mais ça coûte cher ça. Bon, si on peut propager ça, on va le faire. Ok, lui il est de retour au bercail. Seigneur fin prêt, ça c'est parfait aussi. Ok, on a enfin de la mobilité, on voit un petit peu ce qui va se passer sur la zone. Ok, on voit l'armée de Gromindal qui est là. Une armée plutôt costaud d'ailleurs, visiblement. Ok, donc il a combien d'armées? Il a deux armées ici. Ok, pour l'instant il a que deux armées. Ok, parfait. On peut voir un peu tout ce qui se passe. On a la rébellion qui est là. Alors la rébellion, il faudra voir laquelle est la plus apte à la gérer. On a de la vision, c'est bon. On voit exactement ce qui se passe dans la map. Ok, on sait qu'il n'y a pas d'armée ici. On sait qu'ici c'est contrôlé par le clan Ishin. Qui va aller plus vite ici là-bas? Là, lui, là, il a l'eau à traverser, donc c'est peut-être pas lui qui va aller plus vite. On peut pas aller en mode tunnel là-dedans. Oh la vache, la portée de déplacement qu'il a. C'est lui qui va y aller plus vite. Alors attends, attention de pas te faire choper. On va aller par ici là. Juste là, il devrait pas avoir la portée. On va pouvoir régénérer un petit peu. On a une autre armée qui est là en back pour défendre ici. Ok. Celle-ci va mourir. Donc du coup, on va développer celle-là pour les murs. Et on va y mettre de l'ordre public. Donc on est presque sûr de plus la perdre maintenant, pour l'instant. Deux tours pour que celle-ci soit full. Trois tours pour que celle-ci soit full. D'accord. Bon, on a des armées qui sont plutôt cool là déjà. Lui il est que 6 de fidélité, hein. C'est pas vraiment un... Bon, lui il est 10. Point de compétence. Ah mais lui attend. Lui il faisait partie d'une armée, lui, il faut pas le suicider. C'était un assassin d'une des armées, d'ailleurs il a fait un taf exceptionnel. Il a fait un taf exceptionnel. On va y mettre la bombe de camouflage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui donner des meilleures armes, des... Non. Hein, visiblement non. Ok. Alors, la relation entre lui et lui, ça descend grandement. Parfait. Et l'inverse, ça descend aussi grandement. Parfait, parfait. Il sera peut-être enclin bientôt à rejoindre la guerre. Bon, pour l'instant, on va pas y en demander parce qu'il s'occupe bien de l'Empire. J'ai pas envie qu'il lâche son front contre l'Empire. Faut qu'il continue à lui mettre mal à l'Empire. Oh, Ixoal qui est là. Scaron qui s'en sort bien. Scaron qui s'en sort très bien. Renforce 15. Combien de colonies? 4 colonies. 1, 2, 3, 4. Ok. On va peut-être pas trop pactiser avec lui pour l'instant. Dans le sens où, effectivement, si ça donne envie à ces hommes-là de m'attaquer, ça va être compliqué. Ah, il est plus en guerre contre Ixoal. Ça, c'est cool ça. Ixoal, t'es en guerre contre qui? Parce qu'Ixoal, c'est une grosse menace. Oh, Renforce 2.
En guerre contre Lauterne. Ah, bon délire ça. Et contre Nagaron au nord. Et Nagaron et Lauterne. Nagaron renforce 4, donc il est en train de se battre contre Exoalt. Nagaron renforce 1. Ouais, les forces du mal gagnent bien, ça c'est cool. Ok, héros non déplacé. Mais eux, j'aurais bien dit de cliquer par là. Voilà. Les bâtiments, est-ce qu'on le répare celui-ci? Non, pas pour l'instant, il va se réparer tout seul. Ici, on va lui mettre juste ça. Mais il va se réparer tout seul. Ok. Ok, ok, ça se passe bien. On a nos héros qui reviennent sur place, qui vont pouvoir ralentir les armées. Ils ont traversé toute la map, ils ont mis une dizaine de tours pour revenir, facile. Salut Hélène, ça va bien? On est là, on regarde le chef Skaven que tu es. Merci, c'est gentil, Zartan. C'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance avec un chef Skaven. Trou de balle, Hélène. Compliqué, hein. En Skaven légendaire contre les nains, c'est chaud. Hein. Heureusement, j'ai un super allié qui fait bien le taf. Il me donne la vision sur toute la map en plus à chaque fois, donc c'est plutôt cool. Ça va, ça va. Alors toujours sur Total War, tu joues quoi? Tu joues quelle faction déjà? Non, on me l'assassine pas, s'il te plaît. Ouh putain, j'ai cru qu'il allait m'assassiner. Oh, je voyais m'assassiner. Ok, donc là il a ramené ses deux armées chez lui. Au fait, check ton Discord avant d'allumer le stream. Dieu, comment ça Dieu? Je reçois pas de message sur Discord, il me dit pas. Ah ouais, bah je reçois aucun message, j'ai pas de bruit. Il y a un bug depuis plus d'un mois maintenant, j'ai aucune alerte. Je reçois pas de message, je reçois pas d'appel, je reçois que dalle. Je t'appelle ce soir, t'inquiète. Non, j'étais sur les orques, mais là je suis reparti sur Fallout 4. Ok, les orques sont durs à jouer. Ok, sacrifice, activité du héros, assaut de la garnison, donc ça a marché. Lui, il faut vraiment le tuer. Se mettre dans une garnison, je suis pas fan. Arrête-toi, tu vas te mettre derrière. Et lui, y a pas moyen d'aller le tuer là un peu là? ...27% de chance. Surtout que vous avez des chances d'être blessé en l'envoyant lui. Il est où mon deuxième assassin là? Celui qui était trop bien là, il est où? Et il est censé être revenu. Non, lui c'est celui qui tape fort, ok. Lui il est là. On avait un autre assassin qui était plutôt balèze. Il est mort? Il a été assassiné? Ah, c'est possible qu'il ait été assassiné. J'ai même pas vérifié. Ah non, assassin, j'en ai que deux, donc il a été assassiné. Merde. Ah, puis lui, il va me casser les noix à me blesser tout ce que je peux.
ever. I will not disgrace my ancestors. Donc on va avancer par là, voir un petit peu ce qui peut se passer de ce côté-là. Avec cette armée. Sorcerer, inventor, yes, yes. No way. Lui va scouter un peu ce côté-là. On sait jamais s'il y a une armée qui a rejoint. Non, c'est bon. Ah bah si tu m'appelles encore à 2h30, je suis pas sûr d'être là. Ah désolé. J'étais complètement décalé moi et tout ça. Cette armée est plutôt badass, elle est plutôt cool. Les autres armées elles en sont à où là? Ah, un tour et lui il peut décoller. Et deux tours pour lui. Faut qu'on termine l'armée avec lui hein. Les choses à mettre. Est-ce qu'on peut pas recruter un technomage? Non, toujours pas. Fuck, fais chier. Pareil, j'aimerais bien avoir des assassins, mais comment on peut les avoir les assassins en plus? Ah, faut certainement avoir ce bâtiment là pour en avoir un de plus. Permet de recruter le héros assassin et de recruter le héros sorcier Shin. Donc il faut avoir ce bâtiment, bah, on va le mettre maintenant. On va aller le chercher tout de suite, voilà. Ça nous permettra d'en avoir un de plus. Ok, on va pouvoir avancer bientôt avec des armées full. Lui, il a quand même une bonne front lane. Il a pas mal de tireurs. Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour couvrir ses arrières? Plus de tireurs? Oh, peut-être pas quand même. Non, par contre, deux Jezai. Deux Rattling, pardon, ça va être pas mal. Oh la vache, il repart sur 3 et 4 tours. Ouais, bah non, on va se passer des Rattling, c'est bon. On trouvera bien quelque chose sur place. Ok, pas de héros ici. Échec, mais lui il fait que de faire des échecs, lui il est pas doué. Et lui il arrive pas mal de choses donc ça c'est cool. On va lui mettre des points en assassiné parce qu'il va sa prochaine cible va être ce nain là qui me saoule un peu. Si j'arrive à le tuer c'est cool. Bâtiment endommagé, ouais non celui-ci on répare pas. Ok, fin de tour. Salut, ça marche, Alain. À plus tard. Ok, là par ici, on va pouvoir scouter éventuellement l'arrivée du nain sur le flanc nord. Y a pas moyen de. D'aller plus vite avec les esclaves là, c'est assez casse-couille. Genre moi-même, y a pas possibilité. Votre faction, voilà. Caméra pour rapide pour les héros, ça va être très bien. Bon. On avait fait mal parce que du coup il a pas pu attaquer aussitôt. Ok, il revient avec des armées full. Oh, puis de la belle armée en plus. La très belle armée. Il tire en joue l'Empire, donc ça c'est plutôt bon délire. Karazhaskara a du mal à recruter. Ah, voilà Thorgrim qui revient.
Ok, donc on sait qu'il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a 6 armées. Et nous, on en a 2 pour l'instant. C'est pareil, il va falloir faire des miracles. Ah non, tu me l'assassines pas. Oh, il a failli le faire. Il va essayer de me l'assassiner. Guerre déclarée, sentinelle de machin. Ah, ils vont traverser la map pour venir me chercher, ils me font chier. Ah non! Guerre déclarée par sentinelle. Ah non, mais si, c'est ça, il me déclare la guerre et la guerre à moi. Ok. Allez, Imhotep. Ça veut dire qu'il va traverser toute la map pour venir me chercher. J'ai bien fait de créer ces alliances là avec le. Avec l'autre là, ça va pouvoir m'aider. Ça va me laisser du temps, le temps qu'il traverse pour arriver jusqu'à chez moi. Ça va me laisser un peu de temps. Ok, lui il attaque. Mais il la prend pas maintenant. On a pu repousser la rébellion finalement. Cool. Cité souterraine de Lyonnaise détruite. Fuck. On a beaucoup de bouffe, donc ça c'est plutôt cool. Keep gracious, come away. What is unthinkable? The tales to Scapamatch. Move your tails. Ça on pourra le passer au niveau suivant après. Mettre de l'ordre public dessus pour l'instant pour éviter que ça soit toujours en rébellion. Allez, je crois en toi. Échec. Bon, t'es mort au prochain tour. Oh non! Échec aussi. Bon, les gars, et c'est quand vous voulez hein, que vous y arrivez. Ah, 6000 de gold quand même. Ah, on a cette armée là qui est prête là du coup. Yes. Puis il va pouvoir essayer d'avancer, de rejoindre le plus vite possible le clan. Et lui dans un tour il est prêt aussi. C'est parfait. C'est parfait, on a deux armées qui arrivent sur le chemin. Ah, il recrute avec toutes ses armées là, il va avoir une armée full très bientôt. On regardera ce qu'on peut recruter après. Il y a peut-être un truc que l'on peut recruter maintenant d'intéressant. Non, à part éventuellement un autre comme ça pour se mettre bien. Tout ce qu'on peut mettre.
Skatar watches. Eh les gars, c'est quand vous voulez vous arriver à faire des actions. Vraiment, hein. Je vous pousse pas, mais... Dès que vous le sentez, vous le faites. Hein. Rang de force 8 contre lui, les rangs de force... 4. On va essayer de s'occuper de lui du mieux qu'on peut. Le problème, c'est que je suis chez lui, donc il a beaucoup moins de temps pour renvoyer les armées. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Nagaron est en guerre contre les deux. Ok, il a commencé à avancer avec des armées full. Ça serait vraiment bien que le clan Ishin commence à rentrer en guerre contre lui. Ça m'aiderait un petit peu. Parce que là, le temps que mes armées arrivent, je vais passer un mauvais quart d'heure, je pense. I left Clore of Northwell. You... Ok. Pareil, revenu généré, nourriture, pour l'instant ça suffit. The doom comes. Beardling. Wallop engineer. Ah, avec cette armée là je peux pas l'attaquer, elle est vraiment trop forte. Zig-zig, bring pain. Slip into shadow. Thief in the villain night. You slow things and make them slower. On va y mettre des points à ses spécialistes à lui, je pense, maintenant. De manière à ce qu'il puisse faire assez mal. Alors. Need more trophies, yes, yes. We go stalking. All things fear us. No. Clan Squire. I say, they move. This way, way. Begone. Keep gracious, scum away. Ça me rappelle un mauvais souvenir, cette attaque là. On va le reculer un peu. On va se mettre ici. Oh non, sérieux, j'étais à 25% là, c'est abusé. Ah, il me fait chier. Run for Moise. Ah, sérieux, il me fait chier là. Ah,
Ici, ça descend doucement, les rébellions. No grudge bearer would do this. Wazak. Ah, faut vraiment que ça revienne très vite là parce que ça va commencer à être compliqué. Putain, il a une portée de déplacement qui a chié. Ok. Blessé, super. Trop de balles. Donc on a aucune idée de ce qui va se passer au prochain tour. Immortel déjà lui. Qu'est-ce qui va se coûter par ici? Le nain est en train de se renforcer vraiment beaucoup là. Embuscade déjouée. Ok, super. J'ai même pas bougé de place. A réussi l'action à attaquer les unités. Oula, 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 oula. Il a la portée? Ouais non, on replie. J'aurais plus de chance si j'arrive à l'attaquer en embuscade. Bon, on va essayer d'affaiblir ces unités, de l'attaquer avec, avec cette armée-là en espérant que ça passe. On va compter sur la reconstitution de troupes, on va compter sur pas mal de choses. Je vais mettre fin à l'enregistrement maintenant et je vais en lancer un juste après. A tout de suite.